Hey, salut mes petits canards, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Derrière moi là, ça c'est les tables que j'ai chez moi, je les supporte plus. Vous voyez, deux tables parce que une c'est trop petit. Et bon bref, j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entrepris de fabriquer une table. Pour ça, je suis allé acheter un plateau en bois. Bon, là on le voit pas. Allez, je vais vous montrer le plateau en bois. Alors c'est du bois exotique que j'ai trouvé chez un fournisseur dans le 13. Voilà mes petits canards. Vous avez vu ce plateau? 54 mm d'épaisseur. Du bois exotique qui est resté stocké un certain temps chez mon fournisseur. Donc je pense qu'il ne va pas trop travailler. 110 cm de large, 4,50 m ou 55 de long. Je vais le recouper vraisemblablement parce que là vraiment il est trop grand. Mais en fait vous êtes quand même obligé d'acheter cette longueur là. Enfin en tout cas les longueurs que le fournisseur va stocker. Donc voilà, ça c'est le plateau de base. Et ensuite je suis allé acheter de l'inox. Faire des pieds qui puissent rester en extérieur. Et l'inox, il est là. Voilà. Je vous parlerai de l'inox et des types d'inox tout à l'heure. Et là, je suis en train de découper les différentes longueurs que j'ai besoin pour ma table. Je me suis fait un petit plan des différentes longueurs de coupe. Le principe, ça va être ça. Donc deux carrés, un de chaque côté, l'autre n'a pas été dessiné, et des traverses longitudinales qui vont les relier. Voilà. Allez mes petits canards, on va se faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti pour ma dernière coupe. Ok, donc pour faire ça, en bref, avant j'avais le MIG. Donc le MIG c'est ça, on le passe avec du gaz et le gaz qu'on passe c'est l'Arcal Speed, c'est un mélange d'argon et de CO2 dans mon souvenir. Là j'ai dû acheter une nouvelle bouteille d'Arcal 1, ça c'est de l'argon pur, donc ça c'est une bouteille sans contrat annuel qu'il faut payer et j'ai acheté la bouteille, j'en suis propriétaire et j'ai plus qu'à acheter les recharges. J'ai trouvé ce poste à souder. Un ancien poste à souder qui fait à la fois poste à l'arc et à la fois TIG pour l'inox. Et je vais installer une lance TIG que j'ai achetée, que voilà, pour pouvoir souder l'inox pour la première fois. Je croise les doigts. Eh ouais, petit canard, alors on y est là. Hein. Premier pied. Il est là. Donc soudure au MIG, pensée. Voilà. Et là, je m'apprête à faire le deuxième cadre. Ah, un petit canard, les deux pieds sont faits. Donc c'est de l'inox 316. Je pense que l'inox 304 aurait pu très bien aller, mais il n'y en avait plus en stock chez mon fournisseur. Voilà, donc ça a été soudé au TIG avec un gaz argon. Les électrodes tungstène lanthane 2%, les bleus. C'était mes premières soudures au TIG. Pas évident au début, mais enfin non, ça va quand même bien. On s'en sort. Voilà. Maintenant, je vais joindre les traverses que vous voyez là avec les pieds. Et ensuite, je vais pouvoir passer au plateau. Allez, mes petits canards, à tout à l'heure. Eh ouais mes petits canards, on y est, c'est quasiment terminé, il me manque trois soudures et j'ai fini le pied. Après on se met au plateau en bois, voilà, la soudure qui me manque c'est celle-là,
Voilà, les pieds sont faits, meulés. Allez, étape d'après. C'est du remix, ça donne ça. Je ne sais pas si on voit correctement. On voit du tout à cause de la lumière. Voilà. Ça, avant meulage. On va faire les présentations, la planche, le pied, la planche. Voilà. J'espère que vous vous plaisez parce que on va vous marier. Alors voilà, je vous montre la table là. Là elle n'est pas foncée. Et ici elle commence à être foncée. C'est tellement dur le bois exotique que j'utilise une meuleuse d'angle 125 mm sur lequel je mets un disque à poncer. Il faut faire attention de ne pas faire de vagues, mais il n'y a que ça qui peut fonctionner tellement le bois est dur. Ok, je vous montre. Les du bois brut. Donc après la ponceuse, le disque à poncer que je mets sur une meuleuse d'angle 125 que vous avez vu, le deuxième passage pour corriger les petites bosses que l'on fait avec la meuleuse d'angle, bon il faut en faire le moins possible mais il y a toujours un petit peu des bosses. Donc là on utilise une ponceuse à bande. Ponceuse à bande, là j'ai utilisé ça. Alors en ce qui concerne les grains, moi là j'ai utilisé sur la ponceuse à bande du grain 60. Sur la ponceuse meuleuse d'angle j'avais utilisé du 40 pour commencer puis du 60. Et enfin entre chaque couche de vernis j'ai utilisé un grain 120 que j'ai mis sur un tampon manuel pour corriger un peu les défauts et lisser la table. Voilà. Ponçage de l'écorce du bois. C'est que des interstices difficiles d'accès. Du coup, j'ai mis ça sur ma visseuse. C'est une brosse tournante. L'avantage, c'est que cette brosse, elle va rentrer dans les veines du bois. Et elle va les nettoyer en profondeur. Voilà le résultat de la table juste poncée, pas encore vernie. Je vais en profiter pour vous donner quelques indications. Alors déjà, l'écorce du bois exotique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est très solide et très bien accrochée au tronc, qu'on devine là, sur la partie du milieu.
Donc on peut la laisser, ça donne un côté esthétique qui plaira à certains, peut-être pas à d'autres, mais enfin moi ça me plaisait. Les pieds en inox, là, ils sont très brillants parce qu'ils sont neufs. L'ensemble va un petit peu s'uniformiser avec les premières pluies, il va légèrement se ternir, mais l'avantage de l'inox, c'est qu'il rouillera pas. Et il restera comme ça, voire même il sera de plus en plus beau en se ternissant. Prochaine étape, ça va être le vernissage de la table. Là, vous pouvez observer que toutes les bordures ont été brossées, les champs ont été poncés, les angles ont été bavurés et légèrement arrondis, avec un disque à lamelles sur une meuleuse d'angle, pour que la table soit agréable au toucher. Et là, on va passer au vernissage. Eh ouais, mes petits canards, allez, au petit matin, on va vernir la table aujourd'hui. Alors voilà, je vais utiliser ça. Je sais pas trop, je pense que c'est pas mal. C'est un vernis incolore mat, pour pas que ça donne un côté brillant à la table. Parce que je pense que je préfère largement son côté un peu mat. Et je vais mettre une dizaine de couches, je pense. Enfin, j'en sais rien. Je vais voir un peu. Je vais voir un peu le résultat. Et j'aviserai. Alors voilà, un quart d'heure après la première couche de vernis. Déjà, ça reprend sa couleur d'origine. Et je pense que d'ici 1 heure, quand ça sera complètement sec, ça aura complètement repris la couleur d'origine. Là, le but, je pense, sur ce genre de table, enfin moi, en tout cas, au niveau esthétique, ce que je privilégie, c'est l'aspect naturel. Éviter les vernis satinés. Ça donne un côté brillant. Alors c'est sûrement, ça doit plaire à certains, mais enfin. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que ça donnait un vernis mat. Le vernis va avoir pour objet de protéger la table dans le temps, notamment du grisement. Parce qu'en fait, du bois exotique, si vous le laissez dehors, il va avoir tendance à griser. Alors certains aiment, ça peut être très bien aussi, hein, de le laisser un côté naturel, ça évitera de l'entretien. Mais là, mon objectif, moi, c'est de mettre quelques couches de vernis, je ne sais pas combien, on va voir, ça va dépendre. De légèrement poncer avec un grain très très fin, voire même de plus en plus fin. Jusqu'à du grain 0,0 pour que j'ai un côté très lisse et que les pores soient totalement bouchés. Mettre, je sais pas, 5-6 couches de vernis parce que ça prend pas longtemps, hein. Ça m'a pris un quart d'heure de mettre une couche. Et de temps en temps, une fois tous les 5 ans, un petit coup de ponçage rapide et c'est-à-dire qu'on enlève simplement la dernière couche de vernis pour le principe, quoi. Et on en remet une pour repartir propre. Voilà. Alors pour la partie fixation de la table, moi j'ai utilisé ce genre de tire-fond avec une tête hexagonale, mieux qu'une vis, qu'un cruciforme ou quoi que ce soit d'autre, parce que ça s'abîmera pas dans le temps. Et je pourrais éventuellement le resserrer, desserrer, l'enlever, enfin faire ce que je veux. Ça c'est un tire-fond de 10 mm je crois. Je l'ai recoupé légèrement à 9 mm pour être sûr que la pointe de mon tire-fond ne vienne pas affleurer la table. J'ai percé. Je vais vous montrer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous dans l'inox. Alors là, pour l'instant, j'ai juste mis quelques vis, mais pas toutes. Voilà, j'ai fait des trous comme ça, en perçant de part en part les rectangles. Ensuite, j'ai pré-percé parce que c'est du bois exotique, donc n'essayez même pas de planter une vis dedans, même aussi petite soit-elle. Elle cassera ou vous abîmerez la tête de la vis. Donc j'ai pré-percé avec une mèche qui correspond au diamètre de mes tire-fonds. Et ensuite, j'ai vissé à la clé à cliquer mes tire-fonds. Voilà. Donc là, j'ai prévu 1, 2, 3, 4 points en latéral, là, sur les côtés qui font 80. Et sur la longueur qui fait 2 mètres, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 points de fixation. Voilà. Les plateaux comme ça a tendance à chercher à bomber d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'ai mis le côté bombé sur le dessus pour que naturellement ça fasse pas une surface concave qui aurait tendance à retenir l'eau et du coup à avoir pour conséquence que la table vieillisse mal. Donc là, j'ai mis le côté convexe sur le haut pour que l'eau la fleure. Donc
En vissant dessous, ça a eu légèrement tendance à me ramener la planche contre le support. Donc ça, c'est très bien. Mais enfin, si elle reste un peu convexe, là, c'est très bien. Alors, mes petits canards, ça y est, c'est fini. Plusieurs couches de vernis, un peu de travail, et le résultat, il est à la hauteur. Je vais vous montrer ça. Regardez. La voilà, cette table tant attendue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous voulez m'aider à faire d'autres vidéos, likez et abonnez-vous. Voilà mes petits canards, merci et à bientôt.